Rien que pour te dire, je m'occupe des cales. Tu t'occupes des cales? Ouais. Quelle cale? Ah, d'accord. Salut les amis, première journée de ce 36e Tour des Yol Wound. Alors comment ferait-on sans Tour des Yol en Martinique après 2 ans sans Tour? Est-ce que c'est possible de vivre en Martinique sans Tour des Yol, les copains? Que serait-on prêt à donner pour que ce Tour des Yol se fasse? Eh bien on va aller voir ça avec les amis Yoleurs et non Yoleurs. On va aller. Oh, 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 oh. Oh. Yeah, 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 yeah. Bonjour messieurs. Maman les bourgas, qu'a préparé quoi Yola? Mais c'est un chef là, chef des nœuds. Et le patron, qui est spécialiste ici là? On a une question pour les spécialistes. C'est pas souvent qu'on voit des femmes sur les yoles, c'est important quand même. Hein? C'est très important. Justement, j'ai une petite question. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de tour des yoles. Est-ce que vous pensez que c'est possible de vivre en Martinique sans tour des yoles? C'est pas possible, vraiment, on était en souffrance pendant 2 ans. Vous imaginez? Ah, ça va être, ça va être. Et si elle dit que vous pas ni tout des yoles en état, qui ça vous êtes paré pour faire? Nous avons tout fait, nous avons tout fait. Nous avons sans autorisation. Bonsoir. Bonsoir. Non, non, laissez le jour, les gars. C'est le jour. Bonjour. Ouais, les gars. Excuse-moi, j'arrive. La soirée est agitée. Il a gagné les lunettes. Rien que pour te dire, je m'occupe des cales. Tu t'occupes des cales? Ouais. Quel cale? Ah, d'accord. Attends, on filme. Bah là, avec là, bah là, avec là. Tu parles de cale, la cale du bateau, tu parles non, de cale? Non, 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 des cales, de ce qui sert à justement caler le mât. Ah, d'accord. D'accord. Tu as compris? Pas ni bobine. Tu as compris? Non, j'ai vu. Alors là, j'ai essayé de faire un groupe politique, justement, afin de stopper tout ça. Et justement, on s'appelle Stop, Stop, Stop. Est-ce que vous pensez que c'est possible de vivre sans tour des yoles? Non! Le tour des yoles, c'est la vie! C'est important, le tour des yoles. Si on n'a pas de tour des yoles, on ne peut pas vivre. Et donc, du coup, on essaie justement de faire également un tour des yoles en novembre et décembre. Maman, maman, toute la. Toute six dans le bon là, les gars. Monsieur, monsieur. Ah, mais c'est une lunette là-bas, mais on est sexy. Oui, mais sexy pour les. Est-ce que vous pensez que c'est possible de vivre sans tour des yoles, Martin? Non, pas du tout. Ou pas jamais, ouais, coussiol! Sans signe au bol, pas jamais recoussiol, sans signe au bol. On passe notre temps à faire que décaler. Je vais décaler des bisous. Ah, je vais décaler. Aïe, 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 mon Dieu Seigneur, on va décaler. J'avais le jardinage, le nettoyage. Ben oui. Et puis les câlins aussi. Ah, câlin, j'avais pas ça. T'en fais pas ça? Ah, la copine avait les câlins. Mais bien sûr! Tu lui fais faire, je fais que décaler. Ah, c'est magnifique ça, aïe, aïe. Alors, par contre, on ne peut pas vivre sans câlin, mais est-ce que tu penses qu'on peut vivre sans tour des yoles? Eh ben non! Si on n'a pas de tour des yoles, on ne peut pas avoir de cinnobal, pas de sucette, pas de pistache, rien, mais rien! Paniole sans cinnobal, paniole sans cinnobal, c'est plus fin.